Hop. La bonne fenêtre pour ça. Non, c'est pas la bonne fenêtre pour ça. Juste, je mets la bonne fenêtre pour vous. Et on y est. Ok, ah par contre, le match qui a déjà commencé. Ouais, le match qui s'est lancé. Alors, okay. On est avec okay, on un, a un cratère. Un cratère ? C'est un feu ? Attends. C'est un feu, hein ? Ça a l'air d'être feu, ça, hein ? Les 15 fixes, ça a l'air d'être de la titulaire. Mais ça pourrait être un item. Ça pourrait être un item terre aussi, en vrai. Alors, on va voir tout de suite. La brousse, ça donne pas des RR ? Ok, ça peut être de la brousse aussi, hein. C'est ça qui me fait douter. Ok. Ouais, c'est ça aussi. Parce que Crafeu, Crit, ouais, je sais pas, et ça joue. Ok, on a un Steamer Terre, on a un Nénuf. Ouais, Nénuf. Non, la Nidas donne 12. Ouais, après la Sécula. Ouais, je sais pas du tout là. Ok, on a un Nénufeu. Roublard qui me semble R. Ok, Eni, classe. Et Panda. Panda. Oh non. Après, le problème, c'est que maintenant, avec les nouveaux stuff, c'est tellement des fois compliqué de prédire le mode. Ok, on y va. Ok, souterrain, libération. On veut directement aller avec le roublard. Oh, par contre, le Kra, il. Le problème, c'est que ouais, le steamer, tour 1, il a ramené le Kra. Le Kra, il est déjà mal. Il est en état pesanteur. Le roublard, il va directement aller foutre l'érosion sur le Kra. Ouais, c'était dur. On va l'attirer. Ouais, c'est un peu obligatoire. On l'attire déjà, il est en pesanteur. C'est vraiment très compliqué. On pourrait techniquement se donner un PM sur sa Nio pour pouvoir encore pousser le crâne sur le côté, mais ça changerait pas grand chose parce qu'on prendrait quand même les Dag Boomerang sur le côté. Ouais, autant. Okay, oh, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal parce que les Dag Boomerang, elles sont beaucoup plus difficiles à aller prendre. On doit les prendre ici. Donc, je suis pas groupe. On doit les prendre juste au-dessus du crâne. Ou bien se mettre aligné au crâne, mais ça veut dire qu'il faut beaucoup s'exposer. Ceci dit, c'est pas si compliqué que ça d'aller s'exposer, donc du coup, ouais, soit aller là, mettre les Dagmumang ici, soit les mettre là. J'ai Dagmumang, est-ce qu'il agit ? Ouais, il agit. Ok, on va se ruse, on arrive. Ok. Aimantation. Et on Dagmumang. Ok, on va sur l'Epsa. Après, étant donné que le Kra. Non, bah ok, surprenant, on passe sur l'Enirypsa. Ok. Et une raison particulière, le Kra, il a vraiment littéralement rien. Après, le Kra représaille aussi. Donc, pour éviter de perdre des PM bêtement, je pense que. Ouais, il voulait pas faire un tour à vide de prochain tour. Ok, je comprends. Ok, on fait du placement. Panda, il me semble haut, non ? Enfin, je sais pas, distance comme ça. Panda, il a le moins 21 et... En fait, le truc, c'est que ça pourrait être feu, mais ça pourrait être haut aussi. Il a un moins 21 récrit. Et ça, c'est souvent la nautique. Ok. On a le steamer terre, c'est classique. Les nutrophes feu, Nida, c'est classique. Le à feu, on l'a dit. On va continuer sur l'Enirypsa. Ah ok, non, même pas. Ressac, tonneau. L'après-dit, normalement, on l'a... Ah, on voit rien. Comment ça? Ah, le passe-tour d'Astou. Il y a... Non, je sais pas s'il restait des PA en fin de tour. J'ai pas suivi. Ok, le Kra qui se booste. On va voir quel mode joue le Kra. Est-ce que c'est un mode terre, est-ce que c'est un mode feu? Balise, ah non, c'est un mode feu avec la percu. Suspense. C'est vraiment le suspense pour l'instant. Ok, ouais, bah t'avais raison. Feu, hein. Donc c'est bien un crafeu. Ok. Bon, il y a la musette, ça c'est cool pour la faire tanker. La déto, par contre, est-ce qu'on a un rare ? Est-ce qu'on va avoir du ret ? Attention. Suspense. Ok. Ok, bon, pas mal. Là. Ok. Ok, autour de l'Enutroph. Mais là, ouais, j'avoue que ce côté rafale, début de combat, c'est un peu open bar. C'est un coup Kra, là, c'est Enirypsa pour pas taper la représaille. Le tour du steamer, c'était sur le panda. J'ai pas trop compris, il n'y a pas eu d'érosion en plus. Enfin, directement de la part du steam. On continue sur le panda en plus. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire ça sans érosion, parce qu'on est quand même dans une équipe avec pas mal de soins en face.
Du roulage de pelle, on continue sur les Nirepsa, on fait un gisement histoire de soigner un peu ce steamer et ce roublard. Mais ouais, c'est vrai, c'est un petit peu compliqué. Un petit abattement qui retient un peu. C'est un peu YOLO. Ok, autour des Nirepsa, il va commencer à taper le steamer. Ok, on va débuff ce steamer. Ok, on va se faire une petite zone avec le... Ok, on fait une petite zone terre. Et pas dégueu. On place l'état sur le steamer, on fait des gros dégâts. Et du coup, ouais, c'est un Enitaire. Hein. C'est intéressant. Ouais, Enitaire, sympa à regarder. Ça change de l'Enifeu un peu Red PA. Ouais. Sympa à voir. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un Enitaire avec la Grytrill. Ça veut dire qu'il a un petit peu de chance. Et cette chance, ça va servir justement pour les mots interdits. Mon interdit qui est extrêmement cher et donc du coup c'est toujours chiant de ne pas avoir de dégâts dessus. Là au moins il a quelques dégâts, c'est pas mal. Hop. Là on part sur le panda. Ok, on s'est tapé les trois du coup. Panda picole qui... Ouais c'est du 50% all en plus. Ok. Par contre là... Ouf. Ouais. Là, il y a des belles zones. Ouais, il y a des belles zones en plus sur le steamer et le roublard. Ouf. Du coup, est-ce qu'on connaît l'élément du panda? Toujours pas. Toujours pas. On va voir tout de suite. Est-ce que ça va être une pendiculation? Panda. Un panda feu. Ok, bah. C'était une pendiculation. Effectivement, c'est un panda feu. Ouf. Oh là là, les dégâts en zone. 2700 sur le steamer et le roublard. Ils ont les mêmes nombres de points de vie. Il n'y a pas d'érosion de placé en plus, c'est-à-dire que là, est-ce qu'il tape, est-ce qu'il est héros? Le problème, c'est que sa forêt allait cacher derrière. Il reste 10 PA, ça part sur une bâtie, hein. Pour moi, ça doit poser la bâtie, là. Une bâtie sur tension, sauvetage sur son roublard, parce que après... Ok, bâtie sur tension, c'est un sauvetage, et on va se cacher, hein. Et on garde la ligne de vue. 7 PO, c'est pas 6? Non, ça fait 7. Incroyable. 7 PO, du coup, on va pouvoir replacer encore des points de sur le roublard. 15 PA. Et. On bosse le Sylvestre. Sylvestre, et on va pouvoir placer une gigazone. Hein. Oh là là. Gigazone. Attends, c'est quoi la zone la plus opti? Parce qu'en fait, il faut faire gaffe. Techniquement, le plus opti, c'est arrêter de taper sur le steamer. Là, on fait que du 3. La tyrannique, ok, fumée. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même pas mal, ça fait des dégâts en zone. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, c'est que même si on tape pas full opti et qu'on tape pas sur le steamer qui était quand même le focus principal, là, on se retrouve avec le roublard à 1800 HP, le Nutrof à 2400 HP, le steamer à 2700 HP. C'est tellement compliqué, on est obligé de faire un tour ultra défensif, c'est-à-dire gisement, la mal animée, et on est obligé de rester en zone. Les soins vont être corrects parce que ça va être des soins en AOE, mais derrière ils sont quand même en full AOE. Et qu'est-ce qu'il y a qui joue juste après? Ouais, par contre le soin... L'Enirepsa va mettre une patate au roublard avec tous ses états de terre peinture. Par contre le Kra, très clairement, il est dans son jardin là, il se fait plaisir, il prend des zones, il démonte tout le monde. Après ça va, la boîte à outils, elle a fait du bien aussi. Là l'Enirepsa, il va remettre un coup aussi. Hein. Là il met son état peinture, il va mettre une patate à tout le monde là. Ils sont tous en état peinture. Ouais, hop, on l'approche. Sauf les Nutrof, ok. Pas grave, ouf. Pas grave. L'important, c'était bien évidemment de taper et de clean la bombe. On va donner les PA au Kra, ok. Ouais. Pour soigner. C'est l'enfort, ça, la solidarité, là, qui donne gratuitement la 100 HP à ses alliés en le faisant sur les faits. Ouais, sur les faits. Le problème, c'est que là, il y a un retard aussi, parce que ça a érodé le panda 45% air sous picole. Ok, on recharge de focus, on repart sur les Nirepsa. Je pense qu'on essaie vraiment d'avoir la personne qui est juste là pour ne pas vraiment trop s'exposer. Ouais. Parce qu'il n'avait que 4 PM, il ne pouvait pas faire grand-chose, là, il y a juste bombe russe, je suppose. Et la ruse, là, qui tape le roublard, c'est terrible, à cause de la tyrannique, bien sûr. Okay, on met un tonneau, on va aller prendre des zones. Hein. Ah, on va prendre cette zone là. Je pense qu'il va pas chercher à comprendre. Ah ouais, ça va être. Oh
Ah, ça c'est fort. Hein. C'est un match full bourrin. C'est, on tape le premier qui vient. On cherche même pas à comprendre. No brain. Oh là là. Alors, ça c'est cool ça aussi pour bloquer le steamer. Et est-ce qu'on va bloquer les deux entre guillemets? Mais bon, le steamer il va juste se décaler. Enfin, décaler le point d'Alwasta et ça devrait aller. Deux DPA. Tour Ganymède, voilà, là ça va là ça va changer. Ouf. Le tour là il va être. Ouais. Et on est obligé d'être ultra défensif. Okay. Hein. Ah, non, on est obligé d'être ultra défensif sur le steamer parce que sinon c'est vraiment la moitié. On donne les PA. Là il y a un Enutroph, un Roublard sous Ganymède avec les PA de la Batiscaf. Et se cacher là. Ouais, le steamer. 2300 points de vie le steamer. Ouais, ça va. Il récupère son soin. Ok, ouais, l'échelle de la bâtisse c'est cool. Ouais, ouais, ça va. Et après, là, ça va commencer à être le moment un peu plus compliqué. Là, on a un crack qui peut avoir des flèches assaillantes, une petite balise de retour sur le roublard. Ah, ouf, j'avoue. Oh, s'il pousse les Nutroph, s'il arrive à le pousser ici. Oh non, ça c'est horrible. Parce que du coup, il va commencer son. Oh là 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 là, il va taper. Oh la fumée de ouf. Le steamer va prendre la mort. Des taux qui peut tomber aussi, ouais, voilà. On va double déto et la fulminante sur le temps la bombe. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. La fulminante 900 sur le steamer, la zone qui est monumentale. Après, en vrai de vrai, on n'a pas tant avancé que ça. Genre, il y a le tour précédent, c'était vraiment la mort pour Rafale. Là, ça va. Ils ont des personnages à 3000 HP. Bon, le steamer, ça va un petit peu moins. Mais vu qu'il n'y a pas eu tant d'érosion que ça sur cette équipe de Rafale, faut qu'ils reprennent une santé. Difficilement, certes, mais il faut qu'ils reprennent une santé et ils pourront revenir tranquillement. Tu vois, ça passe avec ce genre de choses, avec la corruption. Et ils vont énormément profiter des retraites anticipées, tu vois. Parce qu'en fait, les retraites anticipées pour eux, c'est juste faire du soin en AOE. C'est ça. Voilà le panda, passe tour. On a encore les niques érodées. Ouais. Donc en vrai, on a l'impression que c'est vraiment la mort pour Rafale, mais ça va. Ouais, parce qu'ils sont pas érodés en fait. Donc là, à tout moment, il y a encore la balle qui est en vie. Ouais, bon, alors on sonne que 1, mais ouais, c'est déjà ça. Les Nutroph, au final, quasiment à 4000 points de vie, aucune érosion de placée. À tout moment, le steamer, pareil, il est remonté. Non, c'est en vrai, c'est ok. Hein. Il y a à voir ce que les Neripsa il fait. Il va replacer ses états de peinture. Il arrive à avoir une turbo zone. Il a la possibilité d'avoir tellement d'entités en même temps. Ah ouais, c'est. Ouais, oh là, c'est bien là. Là, c'est bien. Exploser tout ça. Ouf. Ah, il aurait pu Flamish le roublard avant. Parce que là, c'était sur Ivoire. Et c'était son gros sort, malheureusement. Ok, il va du coup juste faire une galvanisante. Et se replacer. Ok, il va se replacer avec la galvan. C'est vrai qu'il était un petit peu exposé. C'était potentiellement un peu dangereux. Je pense que le roublard va continuer sur les nids. En fait, c'est pas mal de continuer sur les nids. Parce que, genre, s'il le fait en direct. Alors, c'est dommage, il va se mettre l'état peinture. Mais au moins, ça permettra de taper le clean wasta, tu vois. Et ça, c'est gratuit. Ouais, carrément. Ok, et on va se barrer. Ok, ouais, bombe ruse. Comme ça, on a une petite bombe. Le problème, c'est qu'après, là, c'est le Kra, il a ses zones, quoi. Ça fait des zones pour le Kra. Oh, mais mec. Voilà, un peu plus compliqué à les choper. Bon, il y a une de vue, quoi. Ce qu'il la cache pas. Il suffit de placer quelque chose ici, et ça fait ta 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 ta. Oh là là, ah ouais, j'avoue. À tout prix, okay, que le panda. Qu'il se passe quelque chose. Ah là, faut que le panda il recule les nids, qu'il le cache derrière le bloc déjà. Bon, après le steamer il va faire un tour full défensif. Hein. Ouais. Mm-hmm. Faudrait qu'il ramène sa bâtie parce que. A pas résisté longtemps sinon. Faudrait que le panda. Oh, pause. Non, okay. Non, ils ont demandé une pause mais ils ont demandé à la fin. Non, ah ouais. C'est horrible. Ah, c'est dommage. Oh non, mais c'est. Ah ouais, il dit la pause au moment où il déconnecte. Non, mais c'est. Vraiment, 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 qui demande ça beaucoup. Ah là, tu peux rien, tu peux rien du tout. Il a demandé la pause et directement passe tour. Mais par contre, c'est horrible parce que vraiment, Steven, c'est dommage parce que là, bah. Ouais, il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait beaucoup de déplacements. Hein. Je suis un peu deck pour eux pour le coup. Quand même un peu deck pour eux. C'est... Malheureusement, c'est un fait de jeu. Je demande quand même une pause, hop. Et
Et ouais, je suppose que Steven, il a plus de soucis qu'il n'en paraît, ou que là, il ne se reconnecte pas. Ok, bon. On va profiter de cette pause pour voir un petit peu ce qui se passe. Hello. Bon, il revient, mais on regarde un petit peu. En termes de HP max, l'Inripsa, il est pas si bien que ça. Il a 3600 HP. Ça va, on n'est pas dans le mal, mais il faut quand même un petit peu surveiller. Par contre, côté Rafale, on a 3900 HP sur l'Unitrof, 3900 HP sur le Roublard et 4100 sur le Steamer. Vraiment, on est bien du côté de Rafale, il n'y a vraiment aucun souci. Ils vont commencer à accumuler des points de bouclier, ils vont commencer à accumuler des soins à droite à gauche. Mais là, on voit, ils ont fait des tours où, bah, regarde, on a le Roublard qui a été replacé là. Ils ont enlevé certaines zones, parce que là, ça aurait été catastrophique. Est-ce qu'ils ont la Ah ouais, non, possibilité oui. de replacer quelque chose? S'ils arrivent à avoir un truc de concentration ici, ils ont la possibilité derrière de faire quelque chose qui fait ça, 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 malheureusement. C'est pas terrible. Ok, on clean. Ah, c'est dommage. Ouais, Enfin, bafou. ça t'a pas le roublard, mais au moins ça lui fait du retrait PA. Mais au moins ça clean aussi les bombes, c'est pas Ouais, dégueu les non bombes. plus. Ouais, c'est vrai que pour les bombes, c'est cool. Ok. Par contre, ils descendent. Ouais, heureusement qu'ils sont pas érodés, mais ils descendent super bas niveau point de vie. Donc là, est-ce que. On a retour musette. Bon, musette, c'est que pour deux personnes, deux persos du coup. Est-ce qu'on continue sur les Nilipsa? Sachant qu'il joue juste après et il va pouvoir les allumer aussi. Ok. Je pense qu'on va faire un. Ok, non. Ok, Panda, on le débuff. Ah, il y avait le pan dans le cul. C'est terrible parce que du coup, ils ont vraiment lancé le pan dans le cul une tout passe Ouais. tour, ce qui veut dire qu'ils vont Ah bah vraiment pas en ouais. profiter. Ça, c'est vraiment horrible. Ok, musette, et on va repousser ce panda. Ok. Un très bon tour de l'Inutrof. On a le gisement puisqu'il soigne, ça c'est cool. Ah, la déco, elle leur fait du mal, hein. La C'est déco, elle fait Panda qui passe vraiment son du mal. tour. Et ce qui est horrible, c'est que en composition sans érosion, justement, on est censé ne jamais avoir de pause dans l'agression. Et là, c'est Bah là, vraiment une grosse c'est. pause hein, qui est faite. Bon, heureusement que c'est le tour de Corrup. Ça aurait été vraiment catastrophique si c'était un tour où, genre, le panda, il avait la possibilité de faire des grosses zones à eux, machin, etc. Enfin, un tour à 16 PA, ouais. Ouais. Donc là, tour un peu plus calme. C'est dommage de perdre l'aggro du coup. Parce que sans érosion, sinon après, Rafale, ils vont poser leur jeu et ils sont intombables. Ils auront tout. Jokla Bachi à l'enjeu, ils ont 2 PA en plus. C'est compliqué pour Gloom. Après, ils peuvent pas rester à distance trop longtemps parce qu'on a un petit cran en face qui, mine de rien, mais quand même de bons dégâts. Ok, on va aller roder cette Nerypsa. Ouais, on a une petite zone tranquille avec juste les Nirepsa, on s'expose pas tant en la faisant et on peut de toute façon revenir assez tranquillement. Oh, on va sur le. Ah? Ok, on joue Roublardise. Ok, je réfléchis si je vais Roublardise ou pas. Et on est obligé d'utiliser 2 PA, 2 PM pour, enfin 2 PA pour se débarrasser de ça. Ah, ok, on va juste se soigner avec la Ok. foreuse. Débarrasser. Oh, le roublard qui chaque tour fait un switch 0, un coup panda, un coup Eni, un coup panda, un coup Eni. Du coup, bah, on est encore bien. Enirypsas 3700 points de vie max, encore bien. Panda 3800, ils sont encore assez bien. Ok, pff, là les tours sous Ganymède. Ouais, les tours Ganymède bas, ça va. Là, on va pouvoir être en Ganymède haut. On a le Steamer qui va jouer. Il est très loin. Il va absolument rien pouvoir faire. Donc, du coup, il va faire un Même pas la tour. récu parce que le roublard le Batiscaf! gêne. Ok. Ok, bah il vient de reveal son roublard. Bon, après, c'était un peu évident qu'il soit là. Ok. Ah, ça fait bugger. Tranquille. Ok, on lâche le blindage. Ouais, c'est bien pour pas prendre les dégâts du crâne. C'est dommage de faire ces petites zones là.
Parce que quand il a juste à se décaler, il peut mettre sa petite balise et... Ouais, j'avoue, il a une balise ici s'il le souhaite. Ah, c'est dommage, il aurait pu se décaler en bas et ça évitait les dégâts. Ah, le pire, c'est que s'il l'a fait ici et qu'il a la portée pour la mettre là... Ok, non. Il va la mettre... Il va le miroir. Ok, ouais, il met les nues. Il y a une raison particulière à avoir mis ici ? Pas d'impression. Ah, ça le met, si, ça le met quand même en ligne de vue. Ok, il lâche l'érosion. À partir du tour 6. C'est vrai que la première érosion okay, on passe tour avec 3 PA. Passe-toi avec 3 PA, ok. Je pense que plus grand chose et la seule chose qu'il pouvait faire, c'était genre une perco directement sur les nues. Il avait plus beaucoup de temps pour jouer. Je pense qu'il a voulu assurer le placement. Plus que paniquer, faire un sort dans le vide et juste rester là, en ligne de vue. Oh, des tours à 16 PA et être aussi loin, c'est frustrant. Non, mais on peut y arriver, hein. On peut souterrain tranquillement. Et on pourra souterrain derrière avec la mirror aux alouettes. À part si c'est qu'une fois par tour. Non, c'est qu'une fois par tour. On va juste s'exposer. Ok. Allez, Neripsa, il peut choper les nues. Hein. Avec une fée en vol. Ou en vol sur son crâne directement. Moi, bon, là, non. Je passe pas pour là. Là, non, effectivement. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. On va juste 12 PA pour tomber. En plus, les nues étaient rodées, hein. Il vient avec 20% d'érosion, c'est... Et j'avoue que c'est tellement étrange. Le moins... Bon. Il se débuffe un tour, mais bon, après ça, passons. Ok. Les Ispa, ils aiment trop faire ça, genre on débuffe l'érosion, c'est trop. J'avoue. Oh, les pelles fantômes sur érosion un tour, le dernier combat, on s'en souvient. C'est décourageant, on va le remettre. Il va TP les nues. Ok, non. Okay. Ok, moins 1 PA, bon, rien risqué, ok. Je sais exactement pourquoi il s'était placé là, c'était parce qu'il se donnait l'option de le faire au cas où il souhaitait vraiment faire ça. Et donc du coup, avec le reste du tour de la fée, il se... Ok, en tour loop, ça c'est cool. Donc là, on repart sur les Neripsa. Ça en switch tous les tours. Après, bon, au moins, il tape le premier qui est là, au moins il y a l'érosion posée sur deux tours. Vraiment me dire que le panda, il a plus le panda dans le cul, détruit. Ça me détruit, parce que c'est vraiment horrible. Il va la tirer ? Il va tirer les nids ? On va tirer les nids. Pas trop proche du panda non plus. Ouais, le panda. Ouais, on a plus la panda dans le cul sur le panda, c'est dommage, on est loin. On est encore érodé hein, sur le panda. Hein. Bon, on aurait pu aller de bambou, mais. Au fond. Est-ce qu'on a moyen d'aller sur cette énutrophe ? Ok. Est-ce qu'il a réinvoqué le... Ah oui, c'est pour pouvoir le reporter. Pour reporter, il s'est placé. Mais là... C'est cool. Ouais, c'est bien joué. Le problème, c'est que là, on a un steamer qui va jouer. On a la bâtie pour les nuits. Et les Neripsa, il va manger. Hein. Ouais, c'est ça. On remet les nuits. Il va manger, mais en même temps, les nuits, il va pas se faire full bâtie. La bâtie sera que 2. Il n'y a pas le... La décompression qui va arriver. Double focus. Bah, c'est ce qu'il fallait faire pour moi. Il allait pas faire un tour super significatif en mono cible. Donc autant taper sur les deux érosions parce qu'il y a deux érosions qui ont été posées. Hein. Ouais. Le panda, il a toujours les mêmes. Non, en vrai, ils ont raison. C'est bien joué comme ça. Si les Nice barrent, bah, ils ont toujours le panda et inversement. Non, franchement, c'est très bien joué. Double focus, c'est cool. Le cry fait sa vie, mais bon. Acuité absolue. Dire ça. Oh, tu sais ce que ça veut dire ça. Est-ce qu'il peut pousser la foreuse? Juste avant. Attention. Est-ce qu'il pousse la foreuse? Ça y est, ah non, il va pas, ok. Ah non, quoi? Il a plus les PA pour... Oh non, c'est triste. La déto... Il va pas être folle, hein. 43% feu. Ok, ouais, quand même, 373, c'est pas mal. On a 9 PA sur les nutrophes, par contre, c'est rien du tout. 9 PA, est-ce que... Est-ce que la retraite, elle peut... envisager. Parce que là, on a le roublard qui est placé, les Neripsa n'a plus le mot d'envol, il pourra rien faire. Le steamer qui peut quand même taper le panda avec un cabestan. La retraite, elle serait peut-être pas déconnante. Ok, non. On annule cette option. Une mine, gisement. Continue le multifocus. Multifocus de focus. Et on est quand même avec un steamer qui est emporté.
On se jouvence parce qu'il faut, bien évidemment, au bout d'un moment. On va pouvoir se stimuler. Ah, la petite technologie pour pouvoir récupérer un PA parce qu'on a la fiole dans le sort. La pâture de guerre et on fait exploser tout ça. Ok. Oh, les dégâts sont faibles quand même, mais bon. Prendre ah, mais les dégâts sont à eux. Oh, je crois qu'il a, il aurait jamais dû rester là. Oh. Ah là là, là il va. Heureusement qu'il y a le roublard a aucun jeu de bombe. Mais. Est-ce qu'il n'y a pas un move pour prendre les deux en dague là. Je sais pourquoi est-ce qu'il a, il est resté là. Parce qu'en fait, justement, il voulait pas avoir les deux en dague. S'il était allé ici, ça aurait été AOE ici, c'était dead. Ouais. S'il était allé ici. Avec un plus. Non, 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 il l'a pas. Aimantation, dague, ok, c'est bien joué. Ouais, aimantation et avoir le double, dague. Hein. Ouais. Ouais. Au moins, on oblige le roublard à faire un tour un peu bien compliqué. Joué. Mais ouais, il faut faire les dégâts. C'est-à-dire que là, le panda, il doit porter son ennemi, le rejeter derrière. On fait ça. Est-ce que le steamer a vraiment le kill? Est-ce qu'on va même pas juste une full pression sur steamer et nu? On a la possibilité de mettre une AOE avec? Je pense qu'il se pose la même question. Je pense qu'effectivement. Oh, les... oh. Oh. Les Nutrophes, 1500 points de vie? Ok, ah. Non. On... Ok, oh, okay, le possédé qui est lâché, ouais. Ok, il y a un. Vas-y. Dofo. Non, Dofo, c'est. Sur le groupe, ok. Une petite déconnexion. La poste qui est prête au cas où. Et tu vois, on est obligé de jouer défensivement. Est-ce qu'il fallait vraiment virer les ennemis comme ça? Ah, je suis pas sûr. Ah, c'est dommage, là on a plus l'acuité, les Nutrophes qui est. Ça aurait été cool de le démarrer. Après, bon, il y a le steamer. Bon, il va partir. Ça tire le coup sur Roublard. Et c'est pas mal parce là, qu'on a plus pousser la vue, c'est assez compliqué. Sinon c'est Clean Foreuse, ou après là, ouais, y a des... Non, des c'est terrible aussi. Oh là, il y a une petite mie là. Mais il est... Oh, elle a battu... Ok. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Mais de pousser la Foreuse de 1 et... Oh, la fumée. Mais oui, la fumée est monumentale. C'est quoi ce placement? Le crat, il est bien, le crat peut même avancer, oui. En vrai, enfin... Et bien, il pousse la Foreuse, et il met une tactique... Enfin, une tourelle derrière, c'est pas mal, hein. Ah, limite, s'il faut qu'il s'avance, il s'avance. Hein. Ouais, voilà. Bien sûr. Il va perçant. Hein. Oh, flèche de recul. Est-ce que c'est une meilleure fulmi? Il a fait démarrer où? Faut qu'il la place. Balise. Mais non. C'est une mauvaise fulmi, ça. C'est une très mauvaise fulmi. Parce que, genre, c'est soit ça, ça. Ah, c'est dommage, ouais, c'est collé. Soit ça fait. Soit ça, ça. C'est terrible comme fulmi. Oh, tu faisais. Tout. Ah, alors, c'est dommage. Okay. C'est pas mal de clean tout. C'était. Ouais, j'avoue que je suis déçu. Mais on fait aucun dégât. Ouais, tout pareil. Ok, Nutroph. Ok, on clean. Oh, pas mal, peut-être la fumée partie en fumée. Il n'y a pas de mal. Belle fanto, ouais, on débuffe. On aurait pas une petite mal, mal boîte à outils. Ce serait mal pas dégueu. C'est ça. Il faut. Ouais, on se met là ouais, et on prend la zone ici. Ouais, roublard et Steam. Ouais. Roublard, enfin, le roublard qui est. Le roublard était pas si mal. Hein. Le roublard est bien, le steamer ça va. Pour un niveau de points de vie érodé, ils sont bien. Il n'y a que les Nutrophes à 3000 points de vie max, mais là ils sont très bien. Avantage rafale quand même. Avantage est quand même à rafale. Okay. Avantage est quand même à rafale. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques erreurs de la part de Gloom. Est-ce que c'est vraiment le moment où cette équipe hispanique va prendre leur première défaite? Yeah. On est des peintres pour l'instant du côté de Gloom. Ouais. C'est bien que tuer la malle, c'est cool. Ça évite de lâcher 400 soins par perso chaque tour. Ouais. On se replace du côté d'Inripsa parce qu'il fallait absolument jamais être en ligne de vue d'érosion. Autant le panda, ça va parce qu'il est encore un peu tanky. Grâce à sa picole. Et l'Inripsa, c'était vraiment catastrophique. Et le problème, c'est que c'est ça. L'aimantation, et on a les deux. On n'a plus le choix à faire. Parce qu'on peut... Ouh. Par tous les choix possibles. Derrière, en plus, on a la possibilité de faire une bombe étoupie. On reculera. Et ce sera bombe. Et on recule ruse et on se décale. Hein. Oh là là, c'est... Ouais, c'est... Ça devient chaud pour Gloom. Première défaite de Gloom dans ce tournoi. Ah, fermentation. On peut prendre un tonneau, faire exploser des trucs ici plutôt. Faire un coup de cac. Non.
Oh, on aurait un aveu de faiblesse aussi gros que ça? Si ça commence à partir dans ces travers-là, il n'y a pas de retour possible, hein. Ils sont en composition no érosion. En fait, là, le Et steamer, reculer, il c'est va ramener le cras. terminé. Le steamer, il ramène le cras et... C'est la bonne chose à faire. Il n'y a personne qui est en danger en soi. Il casse les zones. Le cras, il fait pas si mal que ça. Il n'y a pas de flèche de repli. Il peut pas repartir si facilement. 2000 points de vie. Ouais, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Non, parce que 4 PM en plus, le moins 2, il fait du bien. Non, le cras, là, il... Le cras avait pas le choix de s'avancer pour faire un tour, mais... Il se suicide en même temps. Bah après, le panda aurait pu le ramener aussi. Ah, il va ramener encore. Hein. Amarrage, amarrage. Il est taclé en plus. Très bien joué. Ah, il détacle par contre. Ok. En jeu, il n'y a pas d'abyssal en plus. Non. Mais là, le crâne ne repart jamais. Je vois pas comment il fait des dégâts. Il n'y a aucune zone. Il veut juste les taquiner, quoi. Bah, il peut aller là, recul et faire des zones. Pas le choix qu'il a fait. Il peut placer une balise là et concentration. Ah, il va faire du mono Okay. cible. Tuer la malle, c'est cool ça déjà. Ah, immonde. Représailles, ouais, la Présailles. représailles c'est bien aussi. Ah, il fait quand même de. Ok. Ah, c'est quand même avant tour, hein. C'est quand Ouais. même avant tour. Ouais. Mais bon, bon après les représailles, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout de perdre des PM, le cra il est juste à côté, il n'y a personne pour le ramener, et les pesanteurs, y a... Oh, bah voilà, bah. Ah non. Bah le cra Eh oui. qui décède, hein. Eh oui, le problème, c'est ça. C'est une composition sans érosion où tu ne joues que sur la pression. Si tu fais un pas en arrière, c'est le dernier que tu feras, malheureusement. Ouais, puis la compo rafale, elle est solide aussi. Hein. Steamer est nu, on l'a vu au premier match quand Gloom l'avait. Si c'est bien joué, Ouais. ça Ouais, ouais, pardonne pas. Là, les Nirips qui passent tour. Le Roublard qui va kill. Bah, kill peut-être. Ouais, 14 PA. ouais. Pas besoin, Tour personne, ouais. Ganymède bas. Pas besoin. Ah, manque. Ok. Non, le Roublard qui l'aura pas. Mais bon, le Steamer tue quoi. Peut mettre une autre fée, la fée de C'est ça. jouvence. Il la met là. Il transpose avec cette fée-là. Il Et TP sa la compo, elle est là. Galva Et et. il galva. Ouais. Non, t'as... je pense que c'est ce qu'il va faire. Ouais, bien vu. T'as l'œil. Ouais, ok. Non, il tuera pas, mais bon, le steamer tue. Hein. Ouais, c'est ça le problème. Ça ne change Le forêt foncièrement pas sera sûrement. grand-chose. Ouais, en plus, s'il replace. Ah, il aurait pu tuer la balise, ça aurait été cool pour le steam. Mais bon, bref, ouais, il y a un cabestan, il meurt. Ouais, non, c'est trop. C'est trop. Et Et c'est ouais. terminado. Ouais. Le premier kill qui va être pris. Le panda passe tour. De toute façon, les trois, ils sont dans le mal. Hein. Les Niripsa, comme le panda, comme le cra, ils sont tous low. Après, ouais, le. Oh, à un moment donné, c'est dommage, parce que Gloom avait pris l'avantage, mais après, bon, ils ont reculé. Et avec le tank, les Phalansters aussi. Ok, est-ce qu'on jette les lignes devant? Ouais, mais bon, c'est pas ça qui va changer. Parce qu'en tous les cas, il y a quand même la Bati qui est encore là pour nous donner du shield. Là, on a Lenu et Steamer qui jouent à la suite, donc il est juste après à mettre du shield. Quoique après, ouh, ok. J'avoue, Parios, niveau prédit, on est chaud ce soir. Par contre, je suis un peu tard. Ouais. Ok, la foreuse qui prend le kill. Kill foreuse. Youhou! Est-ce qu'on quitte? Est-ce qu'on va tenter de prendre un kill? Merci middle, mais comment ça merci middle? Après, là c'est un peu de l'abus parce que bon, il dit pause, même pas une seconde après ça passe tour. Donc bon, c'est un peu de la nonchalance. Enfin bref. Happens, happens, is okay. Et victoire de Rafale.